chance for you to be happy. Well, give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. All that I want is for you to be happy with me. Bon matin. Il est rendu 11h52. Hier, on n'a pas filmé parce qu'on n'a absolument rien fait. Mais quand je dis absolument rien fait, on est resté assis sur le divan toute la journée. Max a même fait une petite sieste avec les filles. Moi, je me suis... En après-midi, j'ai pris ma douche. Ben, début de soirée. J'ai pris ma douche, puis je suis allée tout de suite dans le lit avec Zoé pour faire du montage. Fait que ça fait que je me suis couchée dans le lit à genre 7h. Fait que ça a été bien relax, mais ça a vraiment fait du bien, hein? On a pris ce mollo, hein? Lui, monsieur, il a encore mal aux dents, fait que c'est pas des super nuits. Puis aujourd'hui, c'est encore une journée, la genre de... comment tu dis ça? Retour d'hiver. Deuxième journée de retour d'hiver. Mais après ça, il annonce beau tout le week-end parce qu'on est vendredi. Samedi, dimanche, il annonçait super beau. Fait que l'été s'en vient, on lâche pas. Plan de match pour aujourd'hui, on prépare la salle de bain des filles parce qu'on va la rénover cette semaine. Mais en fait, c'est qu'on a commandé plein d'affaires un peu partout. Fait qu'on va y aller selon comment que ça arrive. Là, faut juste aller chez Rona. Mais tant qu'elle est chez Rona, on va vraiment tout acheter pour les projets qu'on veut faire. Si on veut peinturer le... Comment ça s'appelle? Le Canexel, l'extérieur de la maison, parce qu'on est supposé refaire le vinyle au complet. Je ne sais même pas si c'est le vinyle, ça s'appelle. Canexel. Mais là, puisqu'on peut comme pas avoir de petit monsieur qui vient faire ça, pour l'instant, on va juste peinturer comme en plus. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Des petits prénoms. Fait que tant qu'elle est au Rona, je vais faire une liste à Max, puis il va pouvoir y aller cette semaine avec tout ce qu'on a besoin pour faire un voyage pour tous les projets de l'été. Il disait à Martin que tout ce qui est comment t'appelles ça? Genre maquilleuse, coiffeuse, cosmétique. En tout cas, sûrement que je rentre là-dedans. C'était pratiquement sûr qu'on recommençait pas avant l'automne, mais que la construction, d'après moi, ça sent la fin, leur congé. Fait que sûrement que je vais être seule avec les enfants jusqu'en septembre au moins. C'est correct, Max de toute façon il finit full tôt, fait qu'il va arriver vers 1h à tous les jours, puis on va pouvoir profiter de toutes les après-midi en famille, hein? Il dit on va boire. Non, j'ai pas dit on va pouvoir, ça serait on va boire. On va boire, non, on va pas boire, on va voir. Alors voilà, plan de match de la journée, c'est ça, la salle de bain, Max l'a tout vidé, je vais aller vous montrer ça tantôt, si c'est montrable. Je vous le dis, là, quand on a acheté, on a juste arraché toute la salle de bain. Puis on le laisse de même. Fait que là, il est supposé mettre le bois. Comment c'est quoi l'étape après? Ben là, c'est l'électricité. L'électricité, puis tout. Ben toute l'électricité est sortie, n'inquiétez-vous pas, on fait pas de choses dangereuses. On l'a fait déjà préparé quand on a fait faire toute l'électricité. Fait que c'est vraiment des choses que Max peut faire toute seule. J'imagine que ça sera pas à la vitesse de quelqu'un qui fait ça dans la vie, genre poser de la céramique. Mais on va y arriver. Quoi? Je pensais que c'était en blondie, voyons donc. Puis moi, j'aimerais ça, comme vous savez, je me mets un plan par jour. J'aimerais ça faire le ménage de mes tiroirs, tu sais, genre bobettes, linge de sport, pyjama, linge mou, pantalon. Là, c'est comme dans deux sections et c'est le bordel. Tous mes tiroirs ne ferment plus. Fait que je vais essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Puis Max, ce matin, il a fait mariner une bavette pour ce soir. Alors voilà, on va-tu manger du crabe avec ça? On peut. Surf and turf. Surf and turf, ça serait bon. Puis sûrement qu'on va trouver un petit bricot à faire en après-midi pour les filles. Thank you.
Il est déjà 4h20. Max est dehors avec les enfants. Puis moi, il est allé à Mal pour que je puisse faire la vaisselle puis ramasser parce que c'était le bordel. Ça l'a encore, là, je me grouille. J'aurais préparé. En fait, ça, c'est ma mère qui était venue porter ça au début du confinement. Puis je me suis dit, j'allais attendre plus près de Pâques. Puis comme je viens de réaliser que Pâques est ce week-end, c'est le temps de sortir. Donc, elle avait acheté des petites affaires de même. Entre vous puis moi, là, moi, ça, là, ramasser des affaires de même partout, là, genre, j'haïs ça pour mourir. Mais bon, c'est elle qui les a achetées, ils vont être contents, il faut qu'ils colorent ça. Elle avait acheté des petites étampes aussi. Puis elle a, ils ont plein de livres. Eléa aime bien ça, les livres d'activités, bricolage, puis tout ici. C'est tout des trucs du dolo, là, dans le fond. Et j'ai sorti les biscuits qu'on avait pris au Sauterelle et Coccinelle, qui sont des biscuits à peinturer. Ils ont juste à tremper leur pinceau dans ça. Et tout est mangeable. Je vais vous montrer la salle de bain. Dans le fond, je sais pas si vous avez vu dans mes vlogs, mais... c'est comme la pièce qui sépare la chambre des filles puis notre chambre. Puis c'était un débarras. Donc voilà, Max l'a vidé, mais quand je vous dis que c'est vraiment, elle est juste démolie, c'est ça. Elle est pas super grande. Avant, il y avait une douche, je sais pas trop comment ils ont fait rentrer ça. Mais ici, ça va être la toilette. Ici, ça va être une grosse vanité, un miroir avec des lumières. Alors voilà, pour l'instant, c'est ça. Puis au courant de la semaine, ça va avancer, là, j'imagine. Alors, pendant ce temps-là, je vais aller finir... Ouf, la lumière, hein? Je vais aller finir de vider la vaisselle. Puis après ça, je vais faire, comme je vous avais dit, le ménage de mes trois tiroirs ici, là, tac, 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 et de mon... ça ici. Parce que c'est toutes des choses full mélangées, là. Fait que les enfants, ils rentrent, puis je fais ça pendant qu'ils bricolent. Là, je me rends compte qu'il faut vraiment que j'achète un rack pour ici parce que, regardez, il n'y a plus de place. Définitivement, il n'y a plus de place. Donc, il est rendu 5h25. Je vais aller donner le bain aux mousses pendant que Max fait le souper. En fait, là, ces temps-ci, Axel ne peut... Vous avez vu le marché? Sérieux, moi, c'est le genre d'affaire qui m'émue tellement. Il m'achève, j'étais comme, oh my god, trop d'émotion, tu sais, un surplus d'émotion, là. C'est fou comment on est fiers pour... Au début, on est fiers quand ils marchent, après ça, on est fiers quand ils ont leur diplôme. En tout cas, je suis pas rendue là, mais j'imagine. Ma mère était fière quand j'avais mes diplômes, et ainsi de suite, en tout cas. Ça m'a vraiment rendue émue. Mais c'était pas pour ça que je vous disais ça. J'ai accès, j'étais comme dans un âge qu'on peut pas le laisser puis faire autre chose. Faut tout le temps, surtout là, qu'il file pas à cause de ses dents, là. Puis je me demande, là, si c'est vraiment pas un autre titre, là, en tout cas, à suivre. Mais c'est ça. Fait que si un est avec, fait une tâche, faut qu'absolument que l'autre soit avec les enfants. Ben, les enfants, surtout Axel. Fait qu'il peut pas commencer le souper si moi, je fais le ménage en haut, tu sais. Les filles, c'est pas super, là. Je veux dire, ils sont capables de jouer ensemble puis ils jouent toujours sans nous, là. Mais bon, fait que c'est ça, fait que là je vais aller prendre le relais, mais je pense que je vais donner le bain aux trois. Ils sont dus pour leur bain, puis souvent j'aime ça le donner avant le souper, comme ça après ça on a le temps de prendre le souper, écoute une petite émission, un livre, puis dodo. Fait que je vais aller donner le bain aux mousses, puis je vais tout vous montrer aussi, j'ai fait plein de commandes sur internet aujourd'hui, j'ai été efficace, puis je veux commander un rack aussi pour mon petit walk-in, fait que je vais tout vous montrer ça, le magasinage pendant le bain. Moi pendant le bain, il faut toujours que je fasse d'autres choses pour être... est ultra efficace.
soir, mais la majorité vous mettez le matin. Donc, il est rendu 7h. La journée a passé super vite, malgré que je me suis préparée quand même tard. Ça l'a quand même paru dans ma productivité. Là. J'ai pu cleaner en masse l'étage principal, faire le ménage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiroirs quand même. Là. Dans le fond, j'ai mis comme les piles, exemple, mes pantalons de sport, mes hauts de sport, mes brassières, mes bobettes. Les pantalons que je mets vraiment souvent, les pantalons que je mets pas souvent. Puis là, je checkais les hauteurs puis les grosseurs des tiroirs. Fait que j'ai classé ça de même. Là, je me faisais un petit masque. Comme hier, je vais aller... Ben hier, j'ai pas vlogué, mais hier soir... tu sais, nous les filles dormons ensemble. Là, mais hier, ils étaient tellement énervés qu'on s'est dit, ils s'endormiront jamais ensemble. Ça ne tentait pas de se battre pendant 5 heures. Puis moi, j'avais du montage à faire que j'avais pas fait dans la journée vu que j'avais vraiment rien fait hier. Là. Quand je dis rien, c'est même pas assis devant mon laptop. Là. C'était assis, écrasé dans le divan devant la télé. Genre, rien de productif. Fait que hier soir, vers 6h, je me suis mis avec Zou. Chin, ceux qui m'écoutent de soir. Puis c'est ça le masque que je me fais en ce moment. C'est vraiment mon préféré, là, ceux d'image, là. On voit pas vraiment, là. Vital C. En fait. C'est ça. Puis hier, je me suis couchée avec elle. Puis j'ai fait du montage. Là, j'en ai fait cet après-midi. Mais on a tourné une autre vidéo spéciale, Max et moi, aujourd'hui. Fait que je pourrais faire le montage de ce vlog-là. Plus le vlog de Max et moi. Fait que j'en aurais comme 3 prêts. Fait que tu sais, demain, après-demain, annonce beau. J'aurai pas de montage à faire. Je vais pouvoir en profiter à 100% avec la famille. Aujourd'hui, j'ai pas mis de concours. Ça l'a pas à donner. J'espère que vous m'en voulez pas trop. J'essaie vraiment que les concours puissent toffer toute la quarantaine. Puis on s'entend, on sait pas quand ça va finir. Puis j'aimerais ça, au moins que ça soit un peu éparpillé. Donc, j'ai quand même envie que vous me jasez ça un petit peu. Tantôt, j'ai vécu une grosse émotion quand j'ai vu Axel marcher aussi longtemps. On dirait même, j'ai bien beau d'en avoir 3, mais on dirait que le feeling, tu l'oublies, hein, à quel point ça fait ça. J'aimerais savoir, vous, à quel âge vos enfants ont marché. C'est tellement quelque chose qui m'intrigue parce que moi, les 3, ça a été totalement différent. Comme je vous ai dit, c'est pour ceux qui ont écouté Max qui essaie d'endormir Axel, la vraie vie. Comme je vous ai expliqué dans mon vidéo de journal de grossesse, Elia, elle a marché à sa fête de 1 an. Zoé, à 9 mois, elle courait très aisément. Puis Axel a eu 1 an. Puis vous voyez, c'est la première plus longue distance que je vous ai filmée. Puis c'est fou parce que les deux fois qu'il a vraiment marché, je le filmais. Il est tellement attiré par la caméra que j'ai juste comme ouvert ma caméra. Puis il est parti, genre, vers la caméra. Je capote. Je vous le dis, là. Grosse émotion. Fait que dites-moi en commentaire si ça vous chante, à quel âge ils ont marché, puis aussi il y a quelque chose qui vous rend fier de vos enfants. Tu sais, j'aime ça, j'aime vraiment ça, même si je réponds pas à tous les commentaires, j'adore ça, prendre le temps de tous les lire. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Comme je vous dis, je vais aller faire du montage avec mon petit verre de vino. Je vais enlever mon masque, aller prendre une douche. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter la vidéo, partager. Soyez assurés d'être abonnés. Il y en a plein qui suivent les vidéos mais qui sont pas abonnés. Activez la cloche de notification puis je vais l'apprécier fois 1000. Je vais continuer à faire des vidéos le plus longtemps possible. Donc, on se voit demain!